comme s'il pleuvait des boulons. Elle va à l'école à reculons, sous cacheton, pour ne pas péter un plomb. On n'a jamais passé l'âge d'apprendre, donc d'aller à l'école. Mais elle, elle y va, cette vieille folle, parce que c'est son métier, nom d'une pipe. Elle est prof, instit, tutrice, c'est toujours mieux que flic. Sauf qu'il s'agit d'une de ces givrées dont l'éducation nationale refuse de livrer le secret de fabrication. M'a serré sur les bancs de l'université comme la purée de piment dans les fûts de chêne pour obtenir le tabasco. Aujourd'hui, vieille fille à la tête de chouette, elle vit en solo, pas d'enfant, zéro. Son chiffre préféré, c'est pourquoi aucun enfant, zéro. La tête à Toto. Son chiffre préféré, zéro. À la sorcière. Des mioches, elle en voit assez toute la journée. Ce n'est pas pour en voir un bien moche. En rentrant du camp, du camp, la douceur d'un bout de papier de verre, l'acidité d'un citron vert, la pédagogie d'une batte, elle foutrait le cafard à une blatte. Le sujet est sérieux, ce n'est pas une blague. Elle foutrait le bourdon à une guêpe, ce n'est pas gay. Elle pourrait être la prochaine maîtresse de ton petit ange. À sa calme, cette perspective te dérange. Que la prochaine maîtresse de ton petit ange soit Marie-Ange. Mais va falloir s'y faire. On a tous eu une sorcière dans son cursus scolaire. C'est comme la varicelle. Le service militaire a été supprimé, mais pas la sorcière. Mais pas la sorcière. Et elle peut laisser des traces, des blessures invisibles qui rejaillissent plus tard, lorsque plus personne n'y pense, à part Don Quichotte, ce salaud de Don Quichotte. Hello.